Pascal Sevran ne portait pas Vanessa Paradis dans son cœur. De son vivant, l'animateur de télévision, qui est mort le 9 mai 2008, a côtoyé de nombreuses vedettes dans le cadre de son métier. À la fin des années 1980, il a fait la connaissance d'une certaine Vanessa Paradis. Une artiste dont il n'a pas vraiment gardé un bon souvenir, si l'on en croit les confidences faites par Arthur, dans l'émission 30 ans d'émission culte, diffusée sur TF1 en 2022. L'animateur et producteur, qui a bien connu Pascal Sevran, est revenu sur la création de l'émission La Fureur du samedi soir en 1995. C'était cette tendance des grands shows à l'italienne de Silvio Berlusconi avec des danseuses avec des jupes toujours plus courtes. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui, on se ferait massacrer, a raconté le mari de Mareva Galante, dans un extrait dont Femme Actuelle s'est fait l'écho. Et de poursuivre au sujet de son ancien collègue et ami, je ne me suis jamais autant éclaté qu'avec ce gars. Il avait sa bouteille de rosée bien fraîche avec des glaçons. Il avait deux exigences, il fallait qu'il ait toujours du rosé au frais et qu'on ne parle jamais de Vanessa Paradis, s'est-il souvenu. Mais alors, pourquoi Pascal Sevran voulait-il autant à l'interprète de Joe le Taxi? En 1987, sur le plateau d'une émission présentée par Michel Denisot, il a vécu un face-à-face pour le moins tendu avec la jeune chanteuse. Il s'était en effet permis de l'interpeller pour critiquer sa musique, « Quand je vous entends chanter, enfin, plutôt quand votre voix arrive jusqu'à mon oreille, j'ai quelques inquiétudes concernant votre avenir. Et je me demande si vous avez réfléchi sérieusement au métier que vous allez pouvoir exercer quand vous aurez quitté l'école. » avait-il lancé, méprisant, à l'ex de Florent Pagny. Du haut de ses 15 ans, Vanessa Paradis ne s'était pas laissée faire. Supérieure à Vanessa Paradis, retour sur son évolution physique. Vanessa Paradis ne cesse pas démonter face à Pascal Sevran suite à cette attaque et malgré son jeune âge, Vanessa Paradis n'est pas restée là. Sa réponse ne cesse pas fait attendre, si je dois me poser des questions sur ce que je vais faire, lui, aurait dû s'en poser bien avant. Je ne sais pas quoi lui répondre, moi, à Pascal Navran, a rétorqué la mère de Lily Rose Depp, pleine d'aplomb. Une réaction à laquelle ne s'attendait sans doute pas Pascal Sevran, qui a gardé une rancœur contre la chanteuse pendant des années. Crédit photo, Coadic Guirec.